Bonjour et bienvenue, on va faire la campagne en apocalypse. Ça y est, ils ont fixé leur problème avec... apparemment, quand on faisait la campagne en cauchemar ou apocalypse, certains n'avaient pas les récompenses en fait. Donc j'avais pas envie de me lancer avant que ça soit fixé. Et maintenant apparemment c'est fixé, donc on va faire ça. On va d'abord garder quelque chose avant une seconde. Ah, mais c'est toi. Ils ont dit qu'ils avaient aussi fixé le fait que les NPC perdent leur mémoire. Du coup, je veux pas dire, mais j'ai l'impression que c'est des conneries. Enfin bref. Tu m'en dois toujours deux. N'oublie pas. Il y a toujours mon arbre là qui doit me donner quelque chose. Je sais pas trop quoi. Alors pour l'instant on est archon et médecin. J'ai mis médecin en premier. Honnêtement on va mettre archon en premier. Arconte, pardon. Donc on a la bulle et on va mettre là le bouclier. On va changer quelques petits trucs parce que je faisais des tests la dernière fois. Donc ça va être notre build. En gros ça va être ça avec... Hop. Onde temporelle et des crabes. Oui, parce que l'onde temporelle, le ralentissement en fait est à l'infini maintenant. C'est sûrement encore un bug hein, qu'ils n'ont pas vérifié. Mais ouais. Est-ce qu'on leur met 12% ou on met le feu? Ouais, on va mettre le feu. Dégâts de feu. Donc ouais, tout ce qui ralentit est apparemment bugué. Donc déjà il y avait la bulle de l'archonte qui était buggée. Très bien, je vais juste regarder un truc, ce que ça fait. La bulle de l'archonte, en fait, quand les gens rentraient dans la bulle, ils étaient ralentis, celle-là. Hein. Ils étaient ralentis. Et quand ils sortaient de la bulle, en fait, ils étaient tout le temps ralentis. Et ça partait pas. Le ralentissement partait pas. Donc ça, c'était avant la dernière mise à jour. Et maintenant, depuis la dernière mise à jour, il y a le mutagène de ralentissement qui est pareil. Qui est exactement pareil. Qui est complètement à l'infini maintenant. C'est bien. On va initialiser ça et on va mettre en apocalypse. Oui. C'est parti. On commence à Losomne. La cour du palais. Non, il me faudrait... Alors, si je veux vraiment faire ce que... genre... Parce que je voudrais avoir en fait la... Ok, on est en apocalypse. Non, pas la cour du palais. Je voudrais qu'on fasse la tisse nuit. Parce que... Parce que il me faudrait... il faudrait que je donne des objets spéciaux en fait à la toile d'araignée que vous pouvez avoir à Losomne. En gros, c'est pour avoir une relique spéciale. Donc si je peux faire les deux en même temps, ça serait plutôt sympa. On va pas reset 150 fois non plus, ça va me gaver. Toujours la cour du palais, ça c'est embêtant. C'est marrant hein, qu'on ait les trois zones comme ça d'affilée. C'est complètement aléatoire, c'est vachement bien. Ah, parfait. Ok, parfait, ça me plaît là. Ça me plaît. Ça me plaît. Donc il faudrait que je donne... Alors peut-être qu'après Nerud, je vais pas avoir l'objet. Parce qu'en fait il me faut un objet à Nerud qu'il faut que je donne à la toile d'araignée. Parce qu'en fait en mode aventure ça fonctionne pas de faire ça comme ça. Hop, il y a un chemin derrière, c'est bizarre. Donc ouais, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le chemin par où on vient en fait. Mais ça m'emmène... Ah oui, non, mais j'ai pas la pierre, ok. Donc ouais, c'est pour avoir une relique. Et après, avec la relique, on peut la donner à Nimue pour qu'elle nous donne une autre relique. Et c'est ce que je veux. Je crois que c'est un cœur en fait qui nous donne de la régénération. Passivement. C'est un peu chelou. Jamais là quand on a besoin d'eux. J'y crois pas. D'abord le cristal, puis Ford. Je ferais mieux de me dépêcher si je dois trouver mon team. On va peut-être récupérer ce qu'il donne aussi. Il drop les gens.
Donc ouais, dès qu'ils sont ralentis, en fait, c'est infini. Donc c'est vachement bien contre les trash. J'adore mes crabes. Honnêtement, j'adore mes crabes. C'est mes crabes de l'espace. Ils sont terribles. Ils sont juste terribles. C'est juste super fun à jouer crabe. Hop, voilà, ralenti. C'est limite, j'ai pas besoin de jouer en fait. Et j'aime beaucoup ce système. Je savais que j'allais me prendre une baffe, mais c'est pas grave. On a un truc derrière nous, mais on a un passage ici aussi. Est-ce qu'on va tout faire? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça nous fait de l'expérience et tout. Bon, après, une fois que je réarconte au niveau max, peut-être pas. Je sais pas. Peut-être qu'on va rusher des parties, parce que si c'est chiant à faire... J'ai pas envie que ça dure 3000 ans non plus. Alors, les quartiers de Lemark, c'est quoi? C'est la... C'est la... la tour là. Ah oui, eux normalement, je suis sûr qu'ils brûlaient quand ils se mettaient le feu comme ça. Ils avaient un debuff de brûlure. Mais apparemment non, plus maintenant. Je sais pas, c'est très bizarre. Ah, il y a un coffre là. Ok, très bien. Vous entendez le bruit? C'est le bruit d'un bug aussi, ça. C'est quand vous mettez la bulle et qu'ils envoient leur boule magique là, ça, le son reste en fait. Vu que c'est ralenti, le son reste. Ouais, c'est la... Oui, c'est l'engrenage, ça. Ah, ça en fait des horloges. Hop. Nickel. C'est marrant qu'on connaît comment ça se déroule. C'est assez drôle, ça va vite. Je suis pas full dégâts. Je suis pas du tout full dégâts. On a beaucoup déjà de dégâts, mais on pourrait complètement augmenter ça. Parce que j'ai deux anneaux qui augmentent mon temps de... Enfin non, qui diminuent mon temps de recharge pour les compétences, pour les talents. Et qui augmentent la durée des talents. Donc j'ai deux anneaux en fait qui prennent ça. Et après j'ai éléments, plus 10% je crois. Et après j'ai... L'anneau qui donne du rempart par rapport au nombre de pets que vous avez, d'invocation. Et il a été changé, le rempart. Maintenant, c'est 25% de dégâts en moins. Et vu qu'il y a des problèmes avec ça, là, avec les dégâts réduits, je sais pas pourquoi, ça s'additionne pas correctement. Bah du coup, j'ai remarqué, pour éviter de me faire one shot, dès que je balance des crabes, en fait, ça me fait 5... 5 remparts, c'est plutôt cool, ça marche bien. Mais vu que je le balance plein de fois, je mets plein de crabes partout, même s'il se suicide, il y en aura toujours disponible. Vous voyez, là j'ai toujours 4, 3. Voilà.
Hop, tout le monde est ralenti. Je savais qu'on pouvait l'esquiver. J'aurais dû le laisser me prendre. Je vais voir si ça marche. Je crois pas. Hein. Ouais, c'est une seule fois. Bon, c'est pas très grave, honnêtement. C'est pour avoir alchimiste. Ah, on peut peut-être changer d'arme un peu. J'aime bien la scie à os maintenant. Ah oui, il y a ça aussi qui est complètement pété. On pourrait utiliser... maintenant, ça a été changé parce que Aphélie... C'est Aphélie maintenant le nom faisait pas de dégâts. Le tir normal ne faisait pas de dégâts. Même si elle était à plus 10, ça faisait quasiment rien. Et apparemment, ça a été changé. Ça a été corrigé. Donc maintenant, ça fait des dégâts. Des dégâts comme ça devrait. Il n'y avait que la supernova qui faisait des dégâts en fait. Bon, bien sûr, avec moi j'ai augmenté le rayon d'action de l'explosion et tout. C'est débile quoi. Ah oui, il y a un truc que je voudrais tester, c'est le lance-flamme. Là, on a quoi? On a mesure de sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? Capsule chargeur. Dégâts de mode, ouais. Dégâts de mode. Je préfère là-haut honnêtement au sol, hein, mais on peut tester un peu le lance-flamme. Là-haut au sol, quand vous avez l'amulette détonateur, là, c'est tellement fun. C'est tellement fun. Ça explose, ça fait du feu partout, c'est n'importe quoi. Je vais peut-être la remettre là, parce que c'est un égout. Il y a peu de place. Donc je dirais pas non en fait. Ça va les dégâts. Oups, ça c'est... Arrêtez les envahisseurs. 2000. Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut pas brûler du lance-flamme même? T'as raison. C'est pas mal. La puissance du lance-flamme. C'est très potable. Très potable. On va le garder. C'est parti. Ah, j'ai deux charges en plus. Dans l'eau, donc du coup, ils brûlent pas.
Oh merde. Tout va bien. Pas mal. C'est fini. Et je suis pas full feu en fait. Moi je suis un mix entre feu et explosion. Moi je suis un mix entre les deux, donc c'est pas parfait. Mais c'est marrant. Par contre, si je fais ça, ça fait combien de dégâts de feu ? Ah merde. Ouais, ça one shot en fait. Ah, est-ce qu'on peut augmenter la portée du lance-flamme ? Allô, 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 le jeu. Pourquoi lui il prend rien? Il prend pas les dégâts de feu, d'accord. Il prend pas mon lance-flamme. Il prend pas les dégâts de mon lance-flamme, c'est pas mal. Ok, je t'ai annihilé quoi. J'aime pas ça. À la limite, je préfère le lance-grenade. Enfin, j'en sais rien en fait. C'est, je sais pas. Je suis pas super fan. J'en sais rien. Je réfléchis, mais je sais pas quoi choisir. On va dire que ça, c'est mieux pour le moment. Le tremblement et tout ça, c'est mieux. Tout le monde est ralenti autour de moi, c'est abusé quand je fais ça. C'est juste débile quoi. Incroyable. Enfin, c'est comme ça que ça marche, c'est normal, mais je veux dire, le fait que ça reste indéfiniment. C'est qui ça? C'est le blob géant là. Le truc qui fait de l'électricité, je crois. Bon, ça on peut le garder, ça va. Par contre, les crabes, du coup, ils vont pas vraiment m'être utiles. Parce que les crabes, ils sautent pas assez haut. Je peux peut-être mettre de la tempête. Putain, mais je vais me suicider avec la tempête. On va tester la tempête. Et là, on va mettre ça. Le Big Bang. Ouais, ça me paraît honnête. On va voir. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Honnêtement, là, je fais un peu des tests. Si jamais c'est trop la merde, je couperai et je rejouerai avec des armes normales. Parce que là, ça va être un peu carnage. Ça va exploser de tous les côtés. Parce que la tempête, normalement, je crois qu'elle va rester sur les ennemis. Mais peut-être pas sur les boules.
Donc je sais pas trop. Genre sur la grosse bestiole, la tempête elle raide, je crois. Ça va les dégâts. Elle est où? Oh mon dieu, je faisais pas attention. J'aurais dû mettre médecin en premier. Oh putain, en plus il a résistance élémentaire évidemment. Évidemment. Là c'est la mort sur l'échelle. Ah putain, tu m'as fait tomber ça. Là tu brûles. C'est marrant ça. Oh la vache, je me suis pris la grosse boule. Ah la... J'ai pas entendu le ting. Normalement il y a un chargement et après elle fait ting et elle tire. Je l'ai pas entendu là. Ça pue.
J'ai fait des tests. J'ai voulu changer de cœur et utiliser le cœur cristallin, voir si la réduction de vitesse en fait était extrêmement dangereuse ou pas. J'avoue que ouais, c'est assez dangereux d'avoir moins 50% de déplacement. C'est assez conséquent, on va dire. Après, bon, si on est résistant, ça passe. Mais ouais. Ah oui, j'ai oublié le coffre. Après, l'équipement que j'ai utilisé, ça va, c'est marrant. Honnêtement, c'est marrant. Je dis pas que c'est optimisé au maximum, mais ça fait des explosions partout, c'est drôle. Il y a un truc qui est marrant avec Vampire. Le trait Vampire. Quand vous tirez avec le lance-disque, là, vous touchez plusieurs cibles qui sont en dessous, là, les petits blobs là, qui existent. Et du coup, vous les faites tous péter avec le mode. C'est marrant, alors vous récupérez énormément de vie d'un coup. C'est assez drôle, parce que vous faites énormément de dégâts. Parce que vous faites des explosions, en fait, et du coup, ça touche les autres cibles à côté. Et elles se touchent tous entre elles, c'est marrant. Mais ouais, sympathique. On va enlever ça parce que sinon je vais me suicider avec. On va remettre... Je suis bien amusé avec le lance-flamme. Le lance-disque, j'aime bien honnêtement. Le lance-disque, je trouve ça vraiment cool. Il n'y a pas vraiment besoin de... Encore une fois, on n'a pas vraiment besoin de rester face à la cible et tout ça. C'est vraiment sympa. On est bientôt à Arconte niveau 10. Alors là, il y a des coffres un peu partout. Hop. Très puissant, hein. Très puissant. Entre l'explosion et le feu, fais voir un peu. 645 de dégâts. Et 3 fois plus de déstabilisation. Dans un rayon de 4m5. 4m5, c'est énorme en fait. Hein. En plus, c'est augmenté pour moi. Donc c'est énorme. Après moi j'ai mis tueur, mais dessus, c'est pas mal. Le disque en lui-même fait des bons dégâts. Oh merde. Bon par contre faut pas se louper. Quand vous tirez en extérieur comme ça, faut pas louper la cible. Hein. Sinon, bah, c'est mort. Sinon c'est un peu mort. Il m'a loupé, je sais pas trop comment. Je crois que j'ai loupé des coffres. Je sais qu'il y en a un là. Je crois que j'ai loupé un coffre. En extérieur, c'est un peu la merde. C'est marrant parce que j'ai pris un lance-flamme et un lance-disque en extérieur. C'est complètement con. Le combo débile, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est pas mal. C'est bon, tout le monde est mort. Ah bah.
Bon, après, vous pouvez plus bouger. Hein. Vous pouvez juste esquiver. Mais ouais, j'aime bien ce cœur. Je voulais le tester il y a un moment, mais à chaque fois je le mettais de côté parce que je me suis dit, bah c'est trop dangereux. Mais au final, non, ça va, c'est bien. Pendant 10 secondes, je récupère 115% de ma vie. Donc si je me fais toucher, je régène vraiment bien, quoi. Parce que médecin... Sinon c'est 100%. Pas très bien. On reste comme ça? On joue explosif et feu. 145. C'est pas énorme hein, les changements. Ah tiens, ça a augmenté ça. Une enlevée que génère 200 de puissance de mode pour le mode équipé. 100 supplémentaires pour le mode actif. C'est un peu abusé. Et après on aura ça. Vos mains lancent des vrilles d'éclairs infligeant 900 de dégâts de foudre par seconde. Le médecin est pas mal hein, pour une classe, pour... Enfin, pour compléter une autre classe grâce aux 25%. De dégâts. Si vous avez des trucs comme ça, des dots, je pense que c'est une des meilleures en fait au final. Parce que bon, l'habilité en fait, le talent va pas être pour du DPS. Mais par contre, le 25% de dégâts comme ça, c'est vraiment bien. Quoi. Je suis toujours en combat apparemment. Bon allez, on va remettre les crabes. Hein. On va remettre les crabes. Il y a un truc qui vient sur ma gueule. Faire c'est merde. Il a quelle forme l'anneau qui me donne rempart là avec les pets? Attends, je trouve pas mon anneau. La merde quoi. Je sais plus quelle forme il a. Ça, c'est le vol de vie. Je vais crever.
J'ai un gros sur moi ou pas? Faut que je me rappelle de la forme de, du skin des anneaux, quoi, pour changer d'anneau. C'est incroyable, ce jeu. Ok, c'est celui-là. Incroyable, ce jeu. On rend fou. Il y a les amulettes par contre, faudrait que je les change. Enfin, faudrait que j'enlève des favoris parce qu'il y en a plein que j'utilise pas, des amulettes. Mais par contre, les anneaux, il y en a plein en fait différentes que j'utilise, quoi. C'est ça le problème. Attention, celui-là a l'air dangereux. Ah, je te le fais pas dire, en plus j'ai plein de crabes de l'espace. Quoi, c'est, on dirait quelqu'un qui chante. What the fuck? Non, quelqu'un qui crie plutôt. Ah, mais c'est un truc énorme avec une hache. Ouais. Qui se fait bolosse par les paysans. Ah non, c'est un loup-garou. On est à l'Asie, c'est bien. Je sais pas combien de temps on va faire en épisode, peut-être 2 heures. De toute façon, c'est pas des... Il y a déjà plein de vidéos, ceux qui veulent regarder, c'est parce qu'ils aiment bien regarder mes vidéos avant. Regardez-moi ce bordel. Genre, ce que je veux dire, c'est qu'on n'apprend rien là. C'est juste faire le jeu une énième fois. C'est tout ce qu'on fait là. Mais c'est fun, c'est fun. Tous les gens jouent différemment, c'est marrant. On est là. Elle m'a amené des bonbons. Elle m'a amené des bonbons. T'es différent maintenant. C'est où le l'anneau, je crois que c'est là, ou l'amulette. C'est là. Après, est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'électricité? C'est un peu spécial. Je crois pas qu'on puisse faire explosion feu et explosion électrique. En fait. Enfin, on peut pas faire un truc. Ça va? Ah!
peux. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ouais. Il n'y a que l'Archonte qui a une attaque de d'électrique comme ça. Je me dis que peut-être que la relique cristalline, là, elle va me foutre dans la merde. Genre, si je me soigne et que je peux pas bouger, ça risque d'être problématique. Ah là là, j'arrive pas à faire ce que je veux. Parce qu'il me spam ce truc. Ah, vous voyez, en fait, il a pas besoin de me taper pour me faire des dégâts. Parce que rien que le fait qu'elle tourne. Rien que le fait que la machine tourne, en fait, si je la touche un peu, ça y est, c'est fini, quoi. Je me fais bump et tout le long. Et ça va. Ouais, on est plutôt résistant, là, avec le coup des crabes. Ça m'amuse. Ça m'amuse beaucoup. Un peu merdé mon truc, mais ça va. Je me demande s'il n'y a pas une meilleure arme en secondaire. Une arme qu'on peut modder par contre. Parce que moi j'ai cette arme que j'aime bien, la sorte de pistolet là. Ouh. Que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il y a mieux. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le Tech 22. Ouais, c'est bien. Je suis pas trop fan. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner les poupées et tout ça déjà. Je suis pas tombé. Le Tech 22, c'est un pistolet qui tire, mais à une vitesse folle. Honnêtement, si le truc pouvait tirer aussi vite en vrai, le canon il serait en train de fondre. Mais largement. C'est ma maison ici? Est-ce que j'ai encore déménagé? Est-ce que j'ai encore déménagé? Mince! Ce n'est pas ça du tout!
Qu'y a-t-il? Oh, peu importe. Eh bien, quand je dors, j'ai fait... la... Qui... Ça, elle se reçoit. Deux... Et j'y mets. Voilà. Ok. Alors, deux dents de cuivre blanc... 2, 9, 7, 1... C'est différent maintenant. Deux dents de cuivre blanc volés à neuf peignes cassées et cette feuille jolie taillée dans un temps oublié. Nickel. Deux dents de cuivre blanc volés. Je vais pas ouvrir la porte direct, c'est au cas où si j'oublie. Ok, c'est bon, on va lui ouvrir la porte. Basculement. Le monde a changé. Deux dents de cuivre blanc volés à neuf peignes cassées et cette feuille jolie taillée dans un tome oublié. Je dois dire... Attends. C'est comme ça qu'on a le l'attrape-rêve, le bâton attrape-rêve. T'endors pas. Un prisonnier ou un garde? Aïe 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 aïe. Un prisonnier ou un garde? Attendez, je prends la mauvaise route. On sera niveau 10 en Archonte. Alors je pense pas le faire en vidéo directe parce que ça va me prendre un petit moment. Mais je vais tester pour faire quelque chose qui est tout en foudre. Et peut-être qu'on utiliserait l'Archonte. Le troisième skill, peut-être. En gros, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, genre il peut balancer des... Oh, c'est sympa le commence-mec. On peut balancer des éclairs, ça fait extrêmement mal. Et après on peut se protéger, je sais pas trop quoi. Et quand les ennemis nous attaquent, ça fait des dégâts aux ennemis. Et on prend moins 50% de dégâts ou quelque chose comme ça. Bon, la tisse nuit, ça va être marrant. Je vais peut-être m'y reprendre à plusieurs fois, on va voir. La tisse nuit, elle a beaucoup de one-shot. Enfin, elle a certains, elle a pas mal de move one-shot et tout. Et elle fait extrêmement mal. Et moi, je l'ai eu en féroce. Je l'ai eu en féroce à un moment, en apocalypse. Ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris longtemps parce qu'il fallait faire du... Du sans-faute, en fait, pour esquiver ses attaques. Comme je monte alors. Comme... Oui, je l'ai... Vous êtes compris. Si elle trouve, je peux vous envoyer une. Et là, nous sommes prêts. Assurez-vous, cherchez son instinct. Donc ouais, c'était un peu un problème. C'était légèrement un problème. Alors maintenant, comme j'ai dit, la dernière mise à jour qui vient de sortir a nerfé énormément de choses. Genre les boss, ils ont beaucoup moins de chances d'avoir féroce, déjà de 1. Et apparemment, il y a aussi les dégâts qui ont été baissés. Donc bon, en théorie, le jeu est devenu beaucoup plus simple, quoi. Où est-ce qu'on va là? Je sais pas où est-ce qu'on va. Je
Des fois je tire mon truc et ça veut pas. C'est pas un enfant ça devant moi. Ouais, c'est l'orphelinat ça. Mais il faut que je me repose aussi pour mes cœurs parce que je fonce comme un débile parce que pour moi je suis toujours médecin mais en fait voilà. Oh la vache! Et la mort pour qui? Un peu mode de résistance. Ah, mais c'est pour ça que je fais beaucoup moins de dégâts. J'avais oublié de me remettre le détonateur. Si j'ai mon armée. Moi aussi j'ai mon armée de crabes. Ce qui est pas mal de fait d'avoir une grosse bulle là comme la mienne là, c'est que du coup ça me donne plus d'espace aussi pour ça me donne plus d'espace entre moi et l'extrémité de la bulle. Du coup les projectiles ils sont ralentis et j'ai plus de temps pour réagir. Ça c'est pas mal. Je trouve ça plutôt cool. Je devrais peut-être jeter un œil à ce château. J'aime bien mon build, c'est un peu le build débile, mais c'est marrant. Ah, me dis pas que c'est le mec glouton, là. C'est quoi ça, en fait? Galerie brisée. La zone que ça fait, quoi, c'est magnifique. J'avais montré en vidéo aussi un truc, un combo qui est pas mal avec le ralentissement. C'est le laser, c'est celui-là. Moi ça fait des explosions en plus, mais bon, ça vous oblige à viser quoi. Mais c'est super bien aussi, super bien. Moi je préfère les crabes. Eux en plus ils sont méga rapides tout le temps à vous foncer dessus avec leur lance à la con. Hein. Allez, à l'attaque, les crabes! Moi, je me suis. Comme il est paralysé, le mec. Mais...
qui est sympa aussi avec les crabes et le fait d'avoir l'anneau là. Qu'est-ce qu'ils font les crabes? Qui me donne. Oh, bonsoir. Vous arrêtez? C'est. Je vais y arriver, hein, parce que je me fais agresser, je sais pas d'où exactement. Ok, personne. C'est. Bah si vous voyez du rempart, ça veut dire que vous avez des crabes qui se baladent. Dans un sens, c'est pas mal de savoir combien il y a de crabes. Ah oui, c'est ok. Alors, si on met tout blanc. Merde. Tout blanc. Là, c'est tout blanc ou tout noir, en fait. Si vous allez tout noir, c'est à droite. Si c'est tout blanc, c'est à gauche. Ouais, c'est ça. Par contre, est-ce qu'il y a des boss? Ouais. Oh mon dieu, les dégâts qui se prennent. Ouais, je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme meilleure arme. Parce que c'est vrai que un coup par coup comme ça, c'est bof. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Un truc qui peut être modé. Il y a ça aussi, clé à choc. Mais je crois que c'est chargé ça. Ouais, il faudrait lui mettre le mode pour charger. Et après on a ça. Ah, c'est débile la vitesse. Et moi j'aime bien mon déchireur. Oh merde. Je sais, j'ai pas de stack pour l'explosion au sol. Je vais être franc, hein, le côté ralenti, ça aide, hein, ça aide trop en fait. Donc si vous avez des problèmes avec... Ah, si vous avez des problèmes avec les trash en fait, je dirais. Genre tout ce qui est beaucoup de monstres, trop rapide, ou alors même les mini-boss élites là, comme ce qu'on vient de faire. Et si vous savez pas viser, un peu comme moi aussi. Bah ouais. Ralentissez-les. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe? Oh les crabes, comme ils sautent haut en fait. Je savais qu'ils sautaient, mais... Je pensais pas qu'ils sautaient aussi haut. J'aime pas trop le monde maléfique là, on voit rien, il y a cet effet là sombre, c'est relou.
C'était chaud. Pas vraiment. Merde, attends, je suis revenu en arrière là. Je fais demi-tour quand on était en bas, merde. Pourrait se reposer hein, parce que je vais tomber à un moment où je vais plus avoir de cœur bêtement. Déjà qu'en munitions, voilà quoi. J'aime beaucoup l'ingénieur aussi, mais bon. L'ingénieur, on peut faire un build comme ça, mais il faut faire full feu, je crois. Et vous utilisez la tourelle lance-flamme. C'est très puissant, ça. Mais bon. Je crois qu'on a une épée de feu qui existe. Je me demande si ça vaut pas le coup avec mon build. Pour augmenter les dégâts de feu. Ou les ennemis. Un truc que j'aimerais bien, ça serait un ranger toujours avec moi là, pour marquer les cibles, parce que des fois je vois rien du tout. C'est trop le bordel. Parti. Les flèches, elles vont quand même super vite, hein, même ralenti. Vous avez vu le crabe qui saute? C'est énorme. Puis les dégâts. J'adore ces crabes. Je t'ai dit que je les adorais. Ouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, je l'ai fait qu'une fois, lui. Je l'ai fait qu'une seule fois. Et il a une sorte de one shot où il vous bouffe, où il vous attrape. En fait, c'est comme les élites qu'on rencontre de temps en temps, sauf que lui, il est un peu plus vénère. Ah oui, vous balancez des cadavres.
Ah, maintenant on a. On a les différents feux. Vous voyez, il y a deux flammes. Avant, il y avait juste écrit tout simplement x2. Pas trop de se soucier des ennemis en fait avec un build comme ça, c'est sympa. Non non non. Oh je suis mort. Oh non. Putain on était nickel. Ah oh, c'est débile ce truc. Ouais. J'en ai marre de remettre ce truc par défaut. Tout simplement parce que les boss ont des attaques qui sont complètement débiles des fois. Genre ils vous chopent, vous pouvez rien faire pour crever. Ah ouais d'accord, t'es passé avec moi. On fait des bons dégâts ou pas? La vie elle descend vite. Hein. Ah, je crois que c'est ça, non? C'est ça. De toute façon, on avait full bouclier, je pense pas qu'on serait... Ça fait super mal. La vie descend vite, hein, rien qu'avec les dodges, je me concentrais des fois à bien regarder sa vie. Dans ta gueule. Et j'avoue que c'est pas mal. C'est pas mal. Notre régène aussi est très potable avec tous les dots et les explosions là, constants. Il y a un truc que je voudrais faire, c'est augmenter la durée des modes. C'est comme des calmants. Lobotomise. Ça a changé le monde.
faut aller où? Faut aller en bas. Alors la durée des mods sur les crabes, c'est pas intéressant. Mais par contre l'explosion là, ça m'intéresse franchement. Ça, ça m'intéresse. Parce que si on peut doubler le temps de l'explosion... Bon, je pense pas que ça, on peut le doubler, mais... Ça peut être vachement intéressant. Plus ça explose, plus ça fait du feu, et plus ça me donne des mods et tout ça, en fait. C'est très intéressant. Ah, c'est marrant, quand vous avez l'arme au niveau 9, ça vous met pas le niveau 10. Ah, parce que vu qu'il faut un truc spécial, qu'il faut l'objet. Alors attendez, est-ce que ça existe, au moins ce que je dis? Parce que je veux bien perdre un peu de feu pour doubler le temps du mod. Mais je sais pas si ça existe. Je vais sûrement avoir des problèmes à la tuer. On verra. Vos rêves sont super. Augmente l'activation des talents et des modes. C'est pas intéressant. La puissance. Ça, c'est pas mal, le saignement avec cet homme. Courage. Votre peur ne fait que pimenter les choses. Ah tiens, ça a été réduit la recharge du talent de 15, mais également la vitesse d'utilisation de la relique de 25. Le fardeau de... Ça, c'est pas mal, ça. Réduit la recharge des talents de 15. Moi, j'ai quoi? J'ai ça, moi. Ça consomme de la santé, mais bon, moi, c'est pas très très grave. Mais on pourrait... Ouais, on pourrait avoir ça. On pourrait avoir le fardeau, là. Je sais pas si j'ai un anneau qui fait ça, en fait, à moins que je l'ai passé sans faire exprès. J'essaye d'aller un peu vite, mais pour l'instant, je vois pas d'anneau, en fait, qui fait ça. Mais je suis sûr que ça... Ou alors c'est un trait. Je suis sûr que ça existe, je l'avais vu à un moment. Ah, ça aussi, ça peut être vraiment sympa. Esquive parfaite, ça fait une explosion. Et en plus, 4.5 mètres, ça veut dire que c'est affecté par l'augmentation avec le trait de la distance. Bon, je trouve pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, on y va. Elle va me one-shot. À foison, ça va me prendre la tête. Bon, enfin, c'est comme ça. Je devrais peut-être mettre ça en premier. On va voir. Si jamais c'est trop long et tout ça, je couperai. Allez, c'est parti. Mais ouais, je voudrais tellement que ça dure. Il y a écrit le temps pendant 6 secondes. 6 secondes. Bon, 6 secondes, c'est pas énorme. Donc si c'est du 10%, ça va pas être énorme. Ma sœur ne me l'a jamais dit. Elle ne l'a jamais su. Tant d'années gâchées. À cultiver les rêves. Et
élevés comme des enfants, toujours dorlotés, jamais goûtés. Mais maintenant, le juste complot de Nimue a eu de délicieux. C'est un des boss les plus difficiles, je crois. Quand vous avez Féroce sur elle, c'est un des plus difficiles. Ici, mon chou, ce monde regorge de délicieuses friandises. Mais vous, vous avez un goût. Ils auraient dû la faire crier, genre « Exki !» Robuste, résistance élémentaire, évidemment. Ouais, elle prend un peu moins cher. Voilà, voilà.
Yeah! Je commence à croire que Clémentine n'est pas ici. Mais où alors? C'est sympa. L'échange. Alors, je sais pas si les. J'ai trouvé une pierre monde, j'imagine. Elle m'a grabe. Je sais même pas si j'ai coupé vraiment des combats en fait. Parce que. Bah, y en a un, je me suis fait directement tuer parce que je testais un truc et après, là, j'ai gagné. Là aussi, j'ai découvert que, en fait, full. Enfin, sauf le casque, labyrinthe, ça donne plus d'armure. Alors que je suis à exactement la même charge. Donc, du coup, je suis à 50%. J'ai mis ça aussi pour faire un bouclier quand je fais des roulades. Donc ça, plus le cœur et tout ça. Alors du coup, le fait qu'elle n'est pas féroce, honnêtement, c'est vraiment bien. Parce que bah du coup, elle me one-shot beaucoup moins, évidemment. Un truc sympa... Qu'est-ce que je voulais dire ? Le fait qu'elle soit tout le temps ralentie. Alors, contre les boss, c'est beaucoup moins efficace, évidemment. On a vu, mais je crois que ça ralentit les projectiles aussi. C'est ou ça ralentit les projectiles, ou alors ils l'ont nerfé en fait dans le patch, dans le dernier patch, où les projectiles vont vraiment beaucoup plus lentement. Le fait de ralentir avec ça, avec le ralentissement, avec l'onde temporelle. Donc ouais, au final ça s'est nettement mieux passé que. J'en crois pas mes yeux. Ok Clémentine. Que la première où fois. Es-tu? Mais bon, pas la première fois, pas la première fois, mais la fois où elle était avec Féroce, là. Mais bon, je pense que c'est Féroce qui fout la merde. Féroce fait quand même extrêmement mal. Après, honnêtement, j'aime bien mon build, là. Hein, le fait de... On est plus ou moins défensif. Tout en faisant des bons dégâts avec les petites créatures là, et on les spam tout le temps, donc notre DPS honnêtement est vraiment potable. Je crois que c'est pas par là, je crois que c'est pas par le dessus. Donc je suis assez content de moi en fait, c'est marrant. C'est assez marrant, j'avoue. Là, j'ai plus du tout, par contre, de dégâts augmentés, genre dot et tout ça. C'est vrai que j'aime bien ce bouclier, ça rajoute un petit 5% de votre santé. Bon, ma santé, elle est pas méga augmentée. Hein. Bon. On va remettre dégâts de mode. Et ouais, on a vu, il me reste encore 2 cœurs. Il me reste 2 cœurs, donc j'ai même pas utilisé tous mes cœurs en la combattant. Donc ouais, très content. J'avoue que l'archonte avec ses magies là, ça aide beaucoup. Rien que la bulle, ça protégeait aussi des projectiles. Donc ça c'est vraiment bien. Ah merde, mais oui, il me fait chier pour la boule, j'ai pas la boule. Oh mon dieu, putain. Toi qui t'enchaînes, tu peux rien faire, quoi. Et j'ai l'impression que les crabes, ils passent à travers énormément de défense de monstres. Je crois que le plus chiant dans le jeu, c'est... Genre, quand ça nous fait tituber.
Ça, c'est un truc qui me rend fou parce que c'est débile. Genre, on n'est même pas tombé par terre. C'est, vous savez, le mec, genre, arrive pas à tenir sur ses jambes. On dirait que c'est le lendemain d'une cuite, vous voyez. C'est une catastrophe. Ça, c'est un truc débile. Ou quand les ennemis tapent trop fort par terre, je sais pas, on titube comme un débile. Ça me rend fou, ce truc. Je trouve ça complètement con. Faudrait l'enlever du jeu. Ça dure des plombes. Il faut faire, on est obligé de faire une roulade pour l'enlever plus rapidement. C'est vraiment débile. Oh la vache. Bien, prenez les crabes. Ah oui, il est boule. Ah, ils sautent, hein, les crabes. Hein. Mythique, dispersion d'armes. Bon, on s'en fout un peu de la dispersion d'armes. J'ai plus de cœur par contre, faut que je me repose. Je me suis pas reposé en fait. Y a celui-là de secret, mais on peut pas le faire encore pour le moment. On va continuer encore un peu. Je voudrais bien en finir avec le labyrinthe. Ah, attendez. Faut pas faire le boss du labyrinthe, genre le cube, là. Oh, j'aime pas faire le cube. Ça me gâte. J'aime tellement pas faire le cube. Mais je crois que c'est après. Pas sûr. Faut que je regarde s'il n'y a pas un anneau qui permet de régénérer plus vite si on a je vais y arriver, des invocations. Un truc que je vois pas trop de différence, c'est ça. Augmente la vitesse d'activation des talents et des modes. Enfin, faudrait que je fasse des tests. L'habilité là du... Du médecin, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle s'active plus vite. Ça, c'est un raccourci, c'est ça. Les gens farment et bastion, il y a bastion là, on va le faire. Si je me rappelle où c'est. C'est le raccourci. Je crois que bastion il est par là.
Les gens ont farmé Bastion parce qu'on pouvait le faire réapparaître. Apparemment. Enfin, c'est le seul qui réapparaissait en boucle. Alors, je sais pas si ça a été changé. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il one shot. D'accord. Ok. Ok, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là. Putain, enlever les one shot. J'étais full vie, on est d'accord. Tu vas pas me dire que le truc il fait 130 de dégâts avec 44% et puis en plus j'avais des crêtes. Enfin bref, c'est pas grave. Enlevez les one shot de votre jeu, quoi. Ça sert à rien. Bastion devrait pas être trop compliqué si on ralentit tout le monde. Oh merde, c'était un peu ouais. Je vais voir un peu si je le brûle, ça marche. Oh les dégâts, oh les dégâts qu'il prend. Oh lolo. Ah, moi aussi. Vous avez vu les dégâts? C'est quoi? C'est les bestioles? Ah mon dieu, il a le truc électrique. Oh mon dieu, il fait mal. Il va me tuer. J'avais pas vu qu'il avait le truc électrique. J'aurais dû esquiver au lieu d'attendre que le cœur parte. J'ai été bête. Mais on lui fait... Oh putain, on est où? Non, c'est bon, on est là. On lui fait méga mal. Ah, c'est marrant les créatures sur les rochers là. C'est pas mal. Pas deux fois, merci. Combien niveau 10? Je peux bien tester ça. Combien attends? 53 de recharge. C'est rapide. Et ça dure 37 secondes. C'est pas mal. 37 secondes 5, c'est quoi du coup le truc de base? 25 secondes? 30 secondes? Mais bon, c'est des dégâts éclairs. Ouais, non, on n'a pas... Si ça faisait de l'explosion, ce serait magnifique. Mais je crois pas. Hein. Je crois pas que ça fasse. Si c'est de l'explosion, on fait du feu et de la poudre. Et... Je sais pas quoi d'autre. Par contre, de toute façon, petite pause, je couperai, je reviens vite. Alors... On va refaire le coup de ça là, c'est marrant. Ah, je peux faire le super pouvoir là, c'est quoi ça? Comment on esquive? Oh merde. Merde, je fais tomber mes trucs. Ah.
parce que c'était méchant. Hein. Ouais, ouais, pas bon. Prends-le, ton putain de cœur. Ouais, c'est bon. Ouais, les gens ils farment ça du coup. Oh, on l'a défoncé le... avec les crabes. Les crabes font super mal sur les créatures comme ça. Ça fait très 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 mal. Bon, par contre, je voulais juste tester un truc avant qu'on se quitte. Alors, c'est la durée des talents. Ah, c'est 30 secondes de base. Après, 53 secondes de recharge. Ouais, 66. C'est pas mal. Mais attends. Mes talents, ils se rechargeaient pas aussi lentement aussi. Bref, il ressemblait à quoi? Ouais, ça. 59 secondes. Mais attends, tu te fous de ma gueule? T'as augmenté ou quoi? Non, ça va. Désolé, je suis en train de regarder un peu. Ouais, bon. Ce que je me suis dit, est-ce qu'on peut mettre l'autre anneau, là, recharge de talent plus rapide encore? Ce serait marrant. Je sais pas si ça vaudrait le coup, parce que j'aime bien... j'aime bien le fait que ça dure longtemps en fait aussi. Donc le 25% c'est pas mal. Après, si on doit enlever encore un anneau de dégâts, je sais pas si ça vaut le coup. Après, je crois que l'anneau il réduisait la vitesse d'utilisation des reliques, donc ça peut être dangereux. Vous savez, on l'a vu à un moment, je me rappelle plus. Je me rappelle plus à quoi il ressemble comme d'habitude. Hein. Normalement, je l'ai mis en raccourci. Je suis sûr que je l'ai mis en raccourci. Non, j'ai pas dû le mettre en raccourci, du coup. C'est cool. Ah là 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 là. C'est pas grave, je le testerai. On testera ça là, quand je le trouverai. Bref, on a encore beaucoup à faire dans le labyrinthe ou pas? Bon, on a le dernier boss où c'est des vagues là d'ennemis. Ah oui, il y a celui-là aussi. On verra ça après. Voilà. On va faire le dernier boss. C'est ça. Voilà. Ok, je vais tomber, c'est bien. Je vais me faire écraser aussi, c'est bien. Ouais, on va faire ça, c'est tout bête. Ça devrait aller. Je crois qu'il me sert de fou. Je crois que ça me donne, vu que je fais de l'électrique, ça me donne pas mal de mode en fait. Par contre, ça disait que ça faisait plus de dégâts que ça. 900 dégâts en tout, je comprends pas.
Ah putain le truc. On peut l'annuler ou pas? Ouais, on peut l'annuler. Ça c'est pas mal ça. Qui passe à travers les murs. Ça a l'air. Bien joué. Pas très fan de du truc électrique, faut que je fasse des tests avec. Mais ouais, je suis pas très fan de l'Arconte en fait. Troisième skill. Ah mais c'est pas là. Là, il faut que je retourne en arrière. C'est pas grave. On va prendre un portail et on va revenir. Yes. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que ça me sert à rien, je pense. Ouais, pas fan. Les crabes qui sautent, c'est énorme. Oh, t'as bien fait de te mettre près du sol. Oh là, t'es mort. Oh, là, t'es mort. Le cital ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça, le cital ? Je rappelle pas. Je l'ai, hein, évidemment, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, non. Alors là. Ah, c'était bizarre. Je sais pas. Ok, comment... Ouais, faut aller à droite. Ouais, non, je vais être honnête. Pour moi, je préfère la bulle. En solo, je préfère la bulle. Après, en multi... Ok. Pas le moment de paniquer. Peut-être que je dirais... La zone de dégâts est peut-être plus intéressante. En multi. Ah ouais, non, c'est bien. Oh putain. On fera le cube la prochaine fois. Je vais rentrer au...
Service trait, je vais tester des trucs avec l'arco et tout. Vu que maintenant il est dit, je vais peut-être changer quelques trucs. En tout cas, voilà, ce sera notre première vidéo sur la campagne en apocalypse. Voilà, ciao ciao!